ces progrès ont déjà commencé. Ce sont toutes les innovations du gaz en faveur de la transition écologique. Le gaz, l'énergie des possibles. Bonjour. Comme vous le savez, la transition énergétique et la transition digitale sont au cœur des préoccupations de GRT Gaz. Aujourd'hui, pour accompagner ce projet et créer de la valeur pour GRT Gaz, notre DSI change. La preuve, là, on va bien bosser. Nous avons donc repensé notre organisation par produit et non plus par projet pour nous orienter plus métiers et utilisateurs. Comment ? D'abord, en renouvelant notre modèle, plus autonome pour les équipes, mais aussi en associant les métiers à chaque étape. Là, la transformation, elle est claire. Ça passe par une qualité de vie au travail, des locaux, nouveaux, adaptés à nos besoins, à notre envie, à notre vie, quoi. Tout ça pour attirer, pour fidéliser les talents. Et on a même des salles silence. Notre changement, c'est aussi la mise en place de process agiles pour améliorer le time to market, pour coller aux besoins métiers. Tout ça nécessite d'être plus proche de nos partenaires. Alors, pour être plus réactif, nous réinternalisons nos compétences. Pour faire, plutôt que faire faire, nous opérons un virage technologique vers le cloud, la data, les microservices, tout en restant très mobilisés sur la sécurité. Notre management lui aussi évolue pour améliorer le mode de fonctionnement au quotidien. Et puis il y a ce qui ne change pas. Nous restons DSI bilocalisés entre Nantes et Paris, toujours en mouvement vers l'innovation digitale. Dans le cœur de vie, sa vie. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de la DSI de GRT Gaz vous aura convaincu que le gaz est l'énergie des possibles.